The service that the icebreaking program of the Coast Guard provides to Canadians is critical because we facilitate shipping in ice-covered waters. Le fleuve est une artère majeure au niveau de l'Amérique du Nord. Tout le cargo, les porte-conteneurs qui rentrent jusqu'à Montréal, c'est pas seulement pour le Canada, c'est l'Amérique du Nord au complet. Without icebreakers, many ships can't move in the ice. So if that happens, trade stop and the economy can be affected by that. Chaque cours d'eau est différent. Chaque cours d'eau a une période d'englacement et de déglacement différente aussi. La grande particularité du fleuve, et ce pourquoi on le surveille autant l'hiver, c'est premièrement dû au fait que le fleuve est très étroit. Deuxièmement, il y a beaucoup de courbes dans le fleuve, puis le chenal de navigation ne fait pas non plus la pleine largeur, puis aussi le fort courant. On ne s'attend pas à ce que le chenal soit libre de glace. Ça, c'est certain que pendant l'hiver, il va y avoir de la glace qui va circuler dans le chenal. L'importance de notre rôle, c'est de s'assurer que cette glace-là est toujours en mouvement. Donc, éviter que la glace arrête à un certain endroit qui va créer un empilement et éventuellement une embâcle qui, là, va être très problématique pour la circulation maritime, l'industrie et l'économie. We have to know ahead of the game where ships are going to be. So we look at all of their schedules. We anticipate where traffic is going to be moving to. We take into account the weather, where the ice is moving, the temperatures, how ice is forming. Once we have an idea, we can start to communicate with the ship. The more information that we can provide to the industry, the better it's going to be for everybody. If we can't provide them with an icebreaker, we can provide them with a route where a ship can anticipate ice, and then we know where to place our icebreakers. We try to have them in proper locations, so that way we're being proactive.